Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Donc on va faire les Gémeaux, puis Balance, puis Verseau. Un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner. Allez, c'est parti. Donc on commence avec vous les Gémeaux, vos énergies pour demain. Déjà, on va regarder au niveau général. Un aspect général de vos énergies pour demain. Oh. Oh là là, pour demain, les Gémeaux, ben, c'est plutôt sympa parce que demain, on transcende des énergies de peur, des énergies un petit peu sombres. Hein. Il y a quelque chose ici qui vient finalement être... des parts d'ombre, hein, au plus profond de vous, qui viennent ici, qui viennent ici, je dirais, se montrer à la lumière en quelque sorte. C'est quelque chose, ce sont des peurs, hein, ces ombres intérieures, en fait, ce sont des peurs pour certains qui jusqu'alors étaient inconscientes, mais la lumière sur ces peurs vont faire que vous allez prendre conscience de ça et que vous allez changer la situation tout simplement, que vous allez, je dirais, guérir ces peurs en quelque sorte, hein, que vous allez vraiment aller vers l'anéantissement de ces peurs tout simplement. Hein. Vous guérissez de ça. Hein. Il y a une part de vous que vous allez tout simplement amener à la lumière par votre conscience, et il y a vraiment un changement là-dessus. J'ai l'impression que demain, c'est une journée qui va être des énergies qui vont être... Il y a une grosse notion ici, une grosse notion, oui, de guérison. Hein. Il y a une guérison pour vous demain, d'un point de vue général, pour vous, les Gémeaux. Donc, c'est très important. C'est très important parce que je pense que là, vous allez vers un changement de mieux-être. Hein. Ça va être le début... pour vous, d'une sorte de renaissance, en quelque sorte. Vous allez vers une meilleure compréhension de vous-même. Demain, ce sont des énergies donc générales qui font qu'effectivement, vous allez vers une plus grande conscience, une élévation de vos fréquences vibratoires aussi. Hein, donc, c'est vraiment... moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore parce qu'au bout du compte, donc il y a le changement, mais après le changement, donc le fait de changer cela, le fait d'être dans cette pleine conscience, eh bien, on va vers cette guérison, justement. On va vers cette libération émotionnelle. Donc, on va sur un nouveau cycle avec, pour moi, une élévation spirituelle. Donc, c'est très important. Allez, on va regarder côté pro. Côté pro, bah, y a une lumière hein, qui est là. Hein. La lumière se fait ici. Hein. Côté professionnel, il y a une progression, effectivement. Ici, on a le renard. J'ai l'impression qu'ici, on prend conscience de nos facilités, de nos facultés, de nos capacités, de notre potentiel. Hein, très fort potentiel ici, exprimé avec le renard au niveau professionnel. Hein. De très belles capacités hein, d'adaptation, des capacités de, à œuvrer. Hein, donc, il y a un très, très fort potentiel dans cette carte. Et effectivement, ici, on en prend conscience avec la lumière. Hein, c'est ce que je disais par rapport à ces parts d'ombre, ces peurs inconscientes qu'on amène à la lumière parce qu'on est dans cette conscience. Eh bien, on retrouve cette lumière, effectivement, au niveau professionnel. On prend conscience, finalement, aussi de nos capacités. Hein, peut-être qu'on a sous-estimé jusqu'à présent, on voit ici avec la tour qu'on va vers une progression, une élévation et que effectivement ici on prend conscience de son potentiel et on va l'exploiter tout simplement. Donc c'est vraiment magnifique côté pro pour vous les Gémeaux. Allez, on va regarder côté cœur. On fait des choix. On fait des choix. On prend des décisions. Il y a beaucoup d'équilibre hein, côté cœur pour vous, hein, côté relationnel. Hein, parce qu'effectivement, on est dans ces choix, ces décisions. Et ici, donc, effectivement, on a l'homme. L'homme qui s'active. L'homme qui s'investit. L'homme qui...
qui œuvre hein, pour ses relations de cœur, pour les gens qu'il aime, pour son autre, pour... alors ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, hein, c'est les actions que vous entreprenez, c'est le mouvement que vous mettez dans vos relations de cœur. Hein. Et ici, effectivement, on a une clé, la clé qui ouvre tout simplement les cœurs, hein, qui réchauffe les cœurs, la clé qui permet de s'exprimer, la clé qui permet d'aller vers... de très très belles... on débloque les énergies en fait. Hein. Il y a une très très belle ouverture qui se fait côté cœur avec énormément d'équilibre et de santé émotionnelle. L'arbre, c'est la santé, donc la guérison aussi au niveau émotionnel. Hein. Et on fait des choix, on est sûr de soi. Hein. On est sûr de soi. Donc on est vraiment sur cette première ligne, comme je le disais, qui amène la guérison hein, dans la pleine conscience, qui amène l'élévation, qui amène le mouvement, l'action avec l'ouverture de cœur. Donc on est vraiment sur ça pour vous demain les Gémeaux. J'ai l'impression qu'on est sur ce sont des énergies un peu décisives, vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment je suis vraiment ravie, c'est un très très beau tirage pour vous demain. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, on va passer maintenant aux balances. Bonjour Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour vos énergies pour demain vendredi 17 décembre. Et puis donc on va regarder côté pro et côté cœur. Mais avant cela, on va surtout aller voir vos énergies générales. C'est important ça aussi, hein, c'est important. Parce que ça donne un petit peu une idée de comment vous allez vous sentir, vos capacités à gérer aussi votre journée. Donc voilà. Bon, pour demain, on fait un deuil et on se libère. Hein. On fait le deuil de quelque chose. Et ça amène une guérison, une libération. Et on se sent protégé en cela. Hein. On se sent protégé au cela. Donc, c'est vrai que pour demain, le fait de faire son deuil, bah, quand on fait son deuil, on se libère. Hein. On se libère d'une peine, on se libère d'une tristesse, on se libère d'une énergie toxique, on se libère de quelque chose, effectivement, puisque en plus, on a les cartes qui viennent nous dire que cette libération, elle se fait, ce deuil se fait enfin. On passe à autre chose, tout simplement. Et ici, donc, on a la protection. On se sent protégé aussi dans cette libération. Hein. On sort... de la vulnérabilité, de la fragilité. On retrouve confiance en soi aussi, hein, avec cette libération. Allez, on va aller regarder côté pro. Côté pro, qu'est-ce que l'on a ? Ben, on a l'étoile. Et on a ici, donc l'étoile nous guide. Hein, l'étoile nous guide pour sortir d'une situation un petit peu... la cruche, hein, c'est la cruche. Une situation un petit peu ridicule ici. Hein, quelque chose d'un petit peu simplissime. Quelque chose d'un peu... D'un peu stupide, je dirais. Hein. L'étoile nous guide finalement pour passer hein, cette notion de stupidité, cette notion de ridicule. Et ici, effectivement, on a le cœur. Donc le cœur, ben, ça fait plaisir. Tout simplement, il y a quelque chose qui fait plaisir dans le fait de passer un petit peu cette situation un petit peu ridicule. Moi, je suis curieuse. Je vais aller voir ce que c'est que cette cruche. Bon, bah, la cruche, c'est tout simplement qu'en fait, il y a effectivement quelque chose d'un petit peu, une petite manipulation, une légère toxicité ici. On vous dit que c'est pas grand-chose, hein, on vous dit que c'est vraiment pas grand-chose. Parce qu'effectivement, la cruche, on vous dit que la personne ici qui essaye de vous manipuler, qui essaye de vous embêter, qui essaye de vous créer des soucis ou qui essaye d'exiger certaines choses de vous, on vous dit qu'en fait, cette personne, elle est bête. Vous voyez, la personne qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui essaye de vous commander, qui essaye de vous diriger, qui essaye peut-être aussi d'être un peu despotique, ben on vous dit tout simplement qu'elle est bête cette personne. Donc en fait, ici on a l'étoile qui vous guide, parce que ben, qui va vous guider tout simplement pour faire pour être plus intelligent et plus intelligent ou intelligente que cette personne. Parce que de toute façon, je pense que c'est pas bien compliqué, cette personne, on vous dit qu'elle est bête. Il y a quelqu'un de bête.
hein, pour vous, avec, qui est là au niveau professionnel, hein, qui est là et qui essaye de vous manipuler. Mais bon, de toute façon, cette personne, elle n'y arrive pas. Et ici, ici effectivement, on a le cœur. On a le cœur qui dit que... vous êtes dans une notion presque d'amour, dans le sens où ben, vous faites votre travail correctement avec votre conscience professionnelle, avec votre cœur, et que cette personne-là, finalement, elle ne va pas vous atteindre. Au niveau émotionnel, en fait, cette personne qui essaye de vous manipuler, une personne franchement, franchement conne, hein, faut le dire, ben, elle n'y arrive pas, tout simplement. Et vous, vous gardez votre stabilité émotionnelle ici avec le cœur. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, effectivement, ici, cette étoile, elle vous guide, hein, pour peut-être aussi remettre cette personne à sa place. Ou en tout cas, vous, vous aider à faire preuve de sagesse aussi par rapport à cette personne un peu cruche, un peu ridicule. Oh là là, il y en a toujours un ou une comme ça, hein, de toute façon. Hein. Et puis, vous savez ce qu'on dit, hein, on est toujours... Excusez-moi, mais on dit aussi qu'on est toujours le con de quelqu'un. Allez, on regarde côté cœur à présent. Non, celle-ci, et puis celle-ci. Bon, ben, côté cœur, c'est sympa parce qu'en fait, il y a un déséquilibre qui... y avait un déséquilibre ici, mais on voit que la situation se stabilise, en fait, tout simplement. Alors, peut-être, effectivement, des disputes, des désaccords, quelque chose qui ne nous convenait pas ou qui ne convenait pas à quelqu'un de son entourage, peut-être à son autre. C'était peut-être aussi des disputes de couple, des désaccords, hein, des choses qui font que... Voilà. Mais ici, on a la sécurité par rapport à ça. On a la stabilité qui revient. Effectivement, c'est quelque chose que l'on souhaite, donc je pense qu'on va œuvrer aussi dans ce sens, hein, dans le sens pour rétablir, hein, cette stabilité, pour rétablir la sérénité, la paix, l'équilibre aussi, pour soi, et puis aussi, bon, donc avec les autres, avec son autre, sa famille, ses amis. C'est quelque chose que l'on souhaite, donc si on le souhaite, effectivement, on va tout faire pour neutraliser, hein, ce désaccord, ce déséquilibre, pour aller vers cet équilibre, tout simplement. De toute façon, on voit que pour demain, il y a vraiment ce sentiment de protection. On se sent davantage sûr de soi parce que aussi on se libère de quelque chose, hein, effectivement. Peut-être qu'on se libère aussi de cette personne, hein. Peut-être qu'on s'en libère aussi. Parce qu'ici, on a quand même l'étoile, hein, qui vient ici exaucer un souhait, hein, en plus de la guidance. C'est aussi le fait d'exaucer un souhait. Donc, effectivement, votre souhait, c'est peut-être aussi d'être débarrassé de cette personne, hein, qui vous gonfle. Hein. Mais en tout cas, on voit que, d'une manière générale, de toute façon, ici, on a la paix du cœur, la paix des émotions, la paix de l'esprit. Hein, on est bien. On est bien pour demain. Je pense qu'on rétablit aussi un certain équilibre, une certaine paix intérieure qui revient. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà pour vous, les balances, vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Et puis, je vous souhaite donc une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, on regarde à présent pour vous, les Verseaux. Bonjour les Verseaux, c'est votre tour. On regarde vos énergies pour demain, vendredi 17 décembre. Donc, côté pro, côté cœur. Mais avant cela, on regarde au niveau général. Voir un petit peu votre état d'esprit, voir un petit peu comment vous vous sentez, comment ça se passe. La culpabilité, ici. Bon, on va voir si c'est un sentiment qui dure ou s'il y a une libération par rapport à ce sentiment de culpabilité. En tout cas, voilà, hein, y a un sentiment de culpabilité pour demain. On culpabilise de quelque chose. Mais de quoi ? Rivalité et on a la résilience. Bon, allez, pour demain, ben écoutez, hein, qu'est-ce qui se passe pour demain pour vous les Verseaux? Ben, tout simplement, on se sent pas à la hauteur. On se compare à d'autres, hein. On a l'impression qu'on fait pas assez, qu'on fait mal, hein, qu'on n'est pas à la hauteur, tout simplement. On est en compétition, on se met en compétition aussi. On est en compétition de toute façon avec soi-même ici, hein. Mais on va se libérer de ça.
On va se libérer de ça parce qu'on est dans la résilience. La résilience, c'est, eh bien, il y a un obstacle, il y a une difficulté, un état d'esprit un peu négatif, mais c'est pas grave, on avance, on se ressaisit tout simplement, on trouve des solutions et on avance dans ce qui se présente à nous, tout simplement. Allez, on va regarder côté pro, puis côté cœur. Et oui, on ne se sent pas à la hauteur en fait demain, tout simplement. Hein. On ne se sent pas à la hauteur, mais on va quand même avancer, même si on est un peu tristounet hein, par rapport à ça. Bon. Ici, avec le cercueil, ouais, avec le cercueil, ben, on n'est pas bien, tout simplement. Hein. Avec le cercueil, on n'est pas bien, donc on a envie de s'isoler. On a envie de s'isoler, on a envie de se mettre un peu en retrait, on est un peu en repli, bah parce qu'on ne se sent pas bien tout simplement. Hein. Mais ici, avec la femme, on voit que on va renouer quand même un petit peu avec son intuition, on va renouer avec la douceur, la bienveillance, on va s'apporter de la douceur et de la bienveillance hein, avec ici, avec cette énergie féminine. Et puis, donc, on va, en se faisant plaisir, en se chouchoutant en quelque sorte, en étant un petit peu plus doux avec soi parce qu'ici avec la culpabilité on n'est pas bien hein, regardez hein, il y a vraiment ce repli hein, sur soi hein, effectivement ici on a le cercueil donc c'est au niveau professionnel j'imagine hein, que on a ce envie de se on a envie de s'isoler hein, on a envie de se replier mais ici avec la femme effectivement on a donc une énergie beaucoup plus douce hein, quelque chose qui vient réconforter en quelque sorte et puis on renoue avec son intuition bah, si on renoue avec son cœur on renoue avec sa guidance intérieure. Donc on renoue avec son intuition et ici on a le cœur donc effectivement on va sentir ce besoin de prendre soin de soi et finalement d'être un petit peu moins d'être plus indulgent ou indulgente avec soi-même au niveau professionnel, en tout cas. On va prendre peut-être son temps, puis on va peut-être aussi arrêter de se mettre la pression, on va arrêter d'être exigeant avec soi-même. On s'apporte de la douceur au niveau professionnel, tout simplement aussi pour peut-être reprendre du plaisir hein, dans ce que l'on fait, parce que à force de se mettre la pression, à force de se mettre d'être en compétition avec soi-même et de ne pas se sentir à la hauteur, ben on se maltraite et puis au bout d'un moment, on prend même plus plaisir à faire ce qui habituellement nous fait plaisir. Donc ici on se fait du bien, ici on s'écoute, ici on relâche la pression au niveau professionnel et on se fait de nouveau, je dirais, confiance en quelque sorte pour reprendre du plaisir à travailler. Voilà, tout simplement, on retrouve le plaisir de travailler ici pour demain. Allez, on regarde côté cœur à présent. On prend des décisions côté cœur ici avec le chemin, on prend des décisions, on fait des choix, on s'affirme aussi peut-être hein, quelque part, hein, on s'affirme, hein. On se remet en route en quelque sorte. Hein. Allez. Ici, on a la carte de la solution. Ici, on a la lettre. Bon, on reçoit des nouvelles ou on donne des nouvelles de soi, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a une nouvelle qui se... C'est comme si on prend la décision de donner des nouvelles de soi ou de s'ouvrir peut-être sur quelque chose. Parce qu'ici, on a quand même une clé, donc l'ouverture du cœur. On débloque une situation. On prend peut-être aussi la décision de renouer avec quelqu'un aussi, hein, parce que peut-être qu'on était dans ce sentiment de culpabilité aussi. On ne se sentait pas à la hauteur, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, peut-être aussi. Hein, donc, de toute façon, voilà, peut-être qu'on prend, on fait ce choix finalement de se sortir un petit peu de cette culpabilité. On se raisonne en quelque sorte. Hein, et puis, ben voilà, il y a des nouvelles. On les donne ou on en reçoit, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une ouverture qui se fait ici. Hein, il y a une situation qui est débloquée. Il y a une ouverture de cœur. Hein, il y a une énergie qui vient ici alléger une situation. Situation pour vous, les Verseaux, pour demain au niveau sentimental. Donc voilà.
Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite de vous sortir de ce sentiment de je ne suis pas à la hauteur, de reprendre confiance en vous. Mais on voit de toute façon qu'il y a une progression, que vous reprenez confiance en vous, effectivement, par rapport à ce sentiment le fait de vous rabaisser, le fait de ne pas prendre conscience de votre valeur. On voit quand même que les énergies changent et que vous arrivez quand même, hein, parce que vous êtes résilient, à reprendre confiance en vous et à prendre conscience de votre valeur, tout simplement. Et puis, je dirais qu'ici, le plaisir revient pour vous demain, d'une manière générale, que ce soit au travail, que ce soit côté cœur, que ce soit dans vos activités, avec vos amis, peu importe. On voit quand même que les énergies s'allègent et que vous reprenez plaisir de toute façon dans tous les aspects de votre journée. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.